filmé. Bonsoir à tous. Merci d'être venus très nombreux ce soir pour cette conférence qui a trait aux chasseurs d'orage. Je ne vais pas vous parler très très longtemps, juste pour signaler, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent pour la première fois, visiblement, qu'on a mis à l'entrée des petits papiers sur lesquels vous pouvez nous inscrire vos adresses, et plutôt les adresses mail d'ailleurs, si vous souhaitez recevoir toute l'information concernant le Centre Eden, en particulier les conférences ou les expositions. Donc si vous le souhaitez, vous laissez votre adresse sur notre fichier, comme ça vous serez contacté automatiquement chaque fois qu'il y a un événement ici. Et je laisse la parole donc à nos deux conférenciers, sans plus tarder. Merci à vous. Bon, déjà, bonsoir tout le monde. Merci à tous d'être venus. On fait ça le comble, hein, on ne pouvait pas demander mieux. Donc, je me présente, je m'appelle Wilfried Guin, je suis professeur des écoles à Tournu. Elle est rattachée à l'école de Tournu, je suis remplaçant. Et ici, on a Gilles Duperron, donc, qui est venu me prêter main forte et qui vient de Lyon. Et qui est conseiller médico-technique. Conseiller médico-technique, voilà. Et donc nous sommes des chasseurs d'orage. Certains diront des fous, nous on dira plutôt des passionnés. Donc je vais vous dire un petit peu comment ça va se passer aujourd'hui. Dans un premier temps, on va regarder un film qui dure à peu près 25 minutes, qui a été fait par un collègue chasseur d'orage belge qui s'appelle Michael Bailly, et qui a réalisé un film un petit peu didactique et explicatif sur la formation des orages, qui est vraiment super bien fait. Je le remercie déjà par avance, parce qu'il nous a permis d'utiliser son film à titre gratuit, et il m'a envoyé en plus une copie en haute définition, comme vous verrez sur l'écran, c'est comme au cinéma, c'est superbe. Donc ça, on fera ça dans un premier temps. Ensuite, on vous présentera un petit peu les nuages orageux en général. Vous verrez que, en fait, en étant un peu observateur, on arrive à savoir quand il va y avoir de l'orage, en fait, en réalité. Nous, rien qu'à regarder le ciel, on arrive à dire « Ah bah tiens, là, dans quelques heures, ça risque de plaquer, enfin, vous verrez. » Ensuite, Gilles vous expliquera comment on peut photographier des orages, comment on s'y prend, donc avec un peu de technique. Il vous présentera le matériel qu'on utilise, qui est parfois un petit peu spécifique. Et puis, je vous parlerai aussi, la question qui revient souvent quand je présente des photos, c'est « Mais comment vous faites pour, pour savoir qu'il va y avoir de l'orage à ce moment-là, à tel endroit ?» Et pour ça, on utilise en fait Internet avec des cartes en temps réel. Donc je vous montrerai, je vous expliquerai un petit peu rapidement, on ne va pas rentrer trop dans le détail, sinon ça serait trop long, comment ça marche, comment on s'y prend en fait pour déterminer les endroits où on va aller. Donc ça sera la première partie. On présentera, à ce moment-là, Gilles présentera les orages, quelques photos d'orages vraiment, on va dire, particulières pour lui, qu'il a faites, on va dire, plutôt du côté de Lyon et un petit peu dans le Vercors, dans les Alpes, du côté du Mont-Salève, de Genève et tout ça. Vous verrez que Gilles est un excellent photographe, vous comprendrez pourquoi je l'ai invité. Et on fera une pause à ce moment-là, pour vous permettre de vous dégourdir un petit peu les jambes, de fumer une cigarette si vous voulez, de prendre l'air. Ensuite, je vous passerai des photos, je vous expliquerai un petit peu, je vous montrerai certaines de mes plus belles chasses d'orage réalisées dans un rayon ici, on va dire, de 70 ou 80 km autour de Tournu en réalité. Je ne vais jamais beaucoup plus loin. Et vous verrez que la Saône-et-Loire est une terre d'orage. Certains s'en sont peut-être déjà rendus compte d'ailleurs. Voilà. À la fin, on vous parlera un petit peu sécurité quand même, parce que la chasse aux orages, c'est quand même pas anodin. Faut pas faire n'importe quoi. Et puis, pour terminer, vous pourrez nous poser autant de questions que vous voudrez. Et puis, vous avez mis une petite exposition là-bas, vous prendrez votre temps. On sera à votre disposition si vous voulez qu'on vous explique certaines choses. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va mettre le film de Michael Bailly. Alors par contre, il faudrait éteindre la lumière là au-dessus. Merci. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça non plus. Il est ici. Voilà.
La pluie a mis des temps, il fascine les civilisations qui les observent. Beaucoup d'entre elles, ne trouvant d'explication aux manifestations lumineuses et sonores, soit en cause des trucs. Ainsi, en dehors du phénomène météorologique pur, l'orage représente de loin la machine la plus complexe où l'atmosphère puisse porter. Celui-ci allant parfois jusqu'à jouer le rôle d'un accélérateur en particulier. On n'aurait pas pu faire mieux, évidemment, parce que d'une part, on n'est pas des scientifiques, ni moi ni Gilles. Et il est excellemment bien réalisé. Donc, encore une fois, je pense que Michael Dorbert, puisqu'il nous sommes en train de diffuser nationalement en direct. Michael, salut, merci pour ton film. Voilà, donc je vais laisser la parole à mon ami Gilles Duperron. Qui va vous. Non, c'est moi en fait, non, c'est moi, c'est moi. Ouais. Donc là, bah, écoute, vas-y, c'est le truc. Donc je vais vous présenter, comme je dis tout à l'heure, les nuages qu'on peut reconnaître assez facilement, même si on n'est pas un chasseur d'orage, même si on n'est pas un spécialiste. Par contre, il est tard dessus. Ouais, merci. Je vais mettre là quand même pour voir ce que je dis. Alors, on va dire la première forme de nuage, c'est ce qu'on appelle la brume sèche. Ça va, je ne suis pas devant la caméra, c'est bon. La brume sèche, alors comme vous voyez, c'est le genre de structure orageuse qui se forme par temps très chaud. Alors le problème de cette brume sèche, c'est qu'elle elle masque totalement ce qu'il y a derrière. Elle broie tous les contrastes. Mais en fait, si vous observez bien là-haut, en fait, il y a un cumulonimbus qui s'est formé assez loin de la position où j'étais. Et ce cumulonimbus, en se déplaçant, en fait, une heure plus tard, il a donné un très violent orage sur la région de Saint-Cyr-le-Grand. Et c'était cette année au mois d'avril. Alors, deuxième type de nuage qu'on peut reconnaître assez facilement, c'est ce qu'on appelle les cirrus. Ce sont des nuages, vous voyez, un peu fibreux, qu'on rencontre souvent 500 km, on va dire, en moyenne, à l'avant d'un orage. Et puis, ces cirrus peuvent ou ne peuvent pas présenter de précipitations. C'est des nuages assez inoffensifs, on va dire, mais ils sont annonciateurs souvent d'une belle dégradation orageuse un peu plus tard. Donc, il y a une troisième image, c'est encore un cirrus. Et celui-là, vous voyez, il s'est étalé en altitude. Et il a même atteint la tropopause, puisqu'il commence à s'étaler en forme d'enclume. Alors, c'est à ne pas confondre avec un cumulonimbus. Parce que ça, c'est pas encore un nuage d'orage. Par contre, le fait qu'il soit monté très haut comme ça et qu'il se soit déjà étalé en altitude montre qu'il y a un réel potentiel convectif, un réel potentiel orageux. Et donc, très vite, ça peut tourner à l'orage. Stade suivant, on va dire, l'altocumulus floccus. Alors, c'est un nuage qui se trouve entre à peu près 2000 et 5000 mètres d'altitude, donc à l'étage moyen de l'atmosphère, et ce nuage, il porte le nom de floccus, bah, tout simplement parce que ça ressemble à des flocons, voilà, tout simplement. Et ce nuage-là, vraiment, est typique des dégradations orageuses. Systématiquement, en été, à chaque fois que j'ai vu des altocumulus floccus, dans les heures qui suivaient, il y avait des orages qui se déclenchaient. Donc ça, c'est vraiment un nuage typique, pré-orageux, on peut dire. Et, par contre, faites attention, parce que c'est pas parce qu'il y a des altocumulus floccus qu'il va y avoir de l'orage. La semaine dernière encore, là, quand il y a eu cette grosse dégradation pluvieuse, l'après-midi j'en ai observé, et le soir il n'y a pas eu un seul coup de foudre. Voilà, donc la suite, encore un stade un peu différent, c'est toujours des altocumulus, et ceux-là ils sont légèrement castellanus parce qu'ils ont une forme crénelée, un peu comme les créneaux d'un château fort, d'où leur nom, et ils sont ondulatus parce qu'ils sont en forme de ligne parallèle. C'est pour ça qu'ils portent ce nom-là. Donc ça, c'est encore un stade un petit peu plus évolué vers l'orage. Ça, je me suis toujours posé la question de savoir ce que j'avais eu devant les yeux, si c'était un virga. Alors un virga, c'est des précipitations en fait qui s'évaporent avant de toucher le sol.
Est-ce que c'était vraiment un virga? Est-ce que c'était un nuage isolé? Enfin, j'ai jamais trop su ce que c'était. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça a été pris le soir. Et le matin, le lendemain matin, il y avait un très violent orage qui claquait aussi. Ça, c'était en Bretagne. Et il y a des orages en Bretagne aussi. Stade encore plus évolué vers l'orage, vraiment le ciel chaotique avec des ondulatus. Celui-là, effectivement, là on est très très près de l'orage. Et on va encore passer au stade au-dessus, où là on a un ciel vraiment totalement chaotique avec des altocumulus, des castellanus et un orage qui est déjà formé, donc on voit les précipitations en bas là. Là on est vraiment déjà rentré dans le stade orageux. Ah, peut-être un peu vite. Voilà. Donc, ça, c'est une photo qui a été prise en avril cette année, du restaurant Greuze à Tournu, en direction de Chalon-sur-Saône. Et on voit qu'au-dessus de Chalon-sur-Saône, j'ai vu avec le petit laser qui te montrait, il y a une poussée convective très puissante, voilà, ici, là. Et on en bas, tout de suite, une espèce de surbaissement de la base. Et très, très vite, en fait, ce nuage a évolué vers une structure de type supercellulaire, en quelques minutes. Ça a été très, très rapide. Et en même temps, il faisait plus de 30 degrés. Hein. Il était 13h, il faisait vraiment très chaud ce jour-là. Là, on est au stade encore plus évolué. Donc ça, c'est une photo qui est prise de hauteur de Sensei en direction de la côte de Buxy, que vous voyez en dessous, là. C'est un nuage, là, vraiment de type orageux. Où, là, l'orage s'est déclenché. On voit qu'il y a des précipitations déjà en dessous. Le courant ascendant au-dessus avec les nuages très bourgeonnants. Et derrière, si vous regardez bien là-bas au fond, on voit un autre orage en fait, qui est déjà en train de se former aussi, qui est même déjà formé en réalité. Là, on a une structure multicellulaire avec plusieurs orages qui se suivent. Et quelques minutes après la prise de vue de cette photo, là, de cet orage, l'activité électrique est devenue très forte. Un nuage un peu particulier qu'on rencontre aussi dans les dégradations orageuses, ça s'appelle un pileus. Alors le pileus, ça vient du mot pileum en latin qui veut dire bonnet en fait. C'est un nuage qui se forme au-dessus, vous voyez, au-dessus de la poussée convective en fait, au-dessus du cumulonimbus, du cumulus. Quand il atteint le stade de cumulonimbus et ça pousse très très fort et ça décale, ça déclenche des systèmes d'humidité dans l'atmosphère qui forment cette espèce de chapeau au-dessus du nuage. Quand vous voyez ça, vous êtes sûr que dans les minutes qui suivent, on peut avoir un nuage. Les trois dernières photos pour vous montrer un petit peu le développement d'un orage le 6 juin 2009. Donc je suis sur les hauteurs de Plot. Ce qu'on voit là derrière, c'est les monts du Mâconnais. Donc on voit que vers 15h30, on a un développement de cumulus sous l'effet d'une forte chaleur. Vas-y. Une demi-heure après, les cumulus commencent à prendre vraiment l'aspect orageux. On commence à entendre quelques grondements, pardon. Et on voit apparaître des précipitations. Là, effectivement, les coups de foudre étaient imminents. Et évidemment, l'orage nous est passé dessus, puisqu'il nous est arrivé droit dessus. Et là, donc, j'ai attendu que l'orage nous passe dessus pour le prendre par l'arrière. Et là, on voit les précipitations sont assez intenses et surtout localisées. En fait, la foudre, malheureusement, je n'ai pas pu la prendre en photo, parce qu'elle était de l'autre côté des précipitations, en fait. Donc, on ne pouvait pas la voir sur les photos. Voilà. Et puis là, c'est le stade ultime du développement orageux. Où là, à mon avis, on ne doit pas être très loin d'une supercellule. Donc on voit bien là, le cumulonimbus étalé en altitude en forme d'enclume. Et cette photo elle a été prise du côté de Montluçon, dans l'Allier. Pareil, fin juin, je ne sais plus, 2009, je crois. Et bon, c'était un peu loin pour que je puisse chasser cet orage. Par contre, j'avais regardé sur les radars de foudre et sur les radars de pluie. Et c'est un orage, effectivement, qui a été très, très violent. Donc ça, c'est vraiment le stade ultime du développement orageux. Et à mon avis, là, on est pas très loin d'une supercellule. Voilà. Donc, ça, c'était un peu pour les nuages facilement reconnaissables. Je laisse la parole à mon ami Gilles, qui va vous expliquer les techniques un peu. Donc, vous pouvez allumer un petit peu la lumière, si vous voulez, juste en façade. C'est ça? Hein?
Alors je vais lui donner ce micro-là parce qu'il va un peu plus fort, il a une voix un peu plus suave que la mienne. Alors, Merci. Pour faire le genre de photo que vous avez pu voir en exposition ou derrière, comme Louis vous a présenté, au départ, pour pouvoir faire ça, un trépied solide, afin de pouvoir faire des poses longues, puisque donc, les photos sont surtout faites de nuit, un appareil réflexe ou un appareil qui vous permet d'avoir une pose longue. Et puis en plus, ce petit boîtier là, c'est pour les photos de jour. Ça permet également de faire des photos de flou de jour sans avoir à déclencher constamment en mode rafale. Ce déclencheur voit la différence qu'il peut y avoir de luminosité et donner l'ordre à l'appareil photo de prendre la photo. Donc ce n'est pas des photos faites à chaque fois avec de la foudre, mais au moins ça nous laisse une chance supplémentaire. Oui, et puis je rajoute excuse-moi que cet appareil photo, ce type appareil détecteur de lumière, il a été fait par un chasseur d'orage aussi, qui s'appelle Walter Séchien, La Roche Séchien, pardon. Et il a fait ce boîtier à notre demande, parce qu'en fait, on s'était très vite rendu compte que si on a une dégradation orageuse diurne, moi, ça m'est arrivé de faire 1500 photos en une heure en rafale. Donc évidemment, sur 1500 photos, 3 photos de foudre, par exemple. Et donc le ratio n'était pas terrible. Et puis surtout, ça use énormément les déclencheurs de l'appareil photo. J'ai fusillé comme ça un appareil photo uniquement en prenant... des photos en rafale de jour, ça va tout bloquer, hop, terminé, Nikon, on va parler plus. Donc effectivement, ce boîtier-là, et maintenant, il nous a changé la vie. On est plusieurs chasseurs d'orage ici, je pense qu'on dira tous la même chose. Effectivement. Alors la nuit, on ne peut pas utiliser ce boîtier-là, puisqu'on a des problèmes donc, de compatibilité. Il suffit juste de le retirer et de mettre un déclencheur souple, une télécommande, afin de pouvoir laisser l'appareil stable sur son trépied. Après, bon, la chance est avec nous ou pas. Il suffit de savoir à peu près avec le temps où va tomber la foudre et cadrer un petit peu comme on aimerait voir les photos ressortir. Après, c'est seulement la chance qui fait qu'on a de belles photos ou de moins bonnes photos. Alors, la chance... Là, ça va bien. Donc, la chance, oui ou non ? Malgré tout, les gens me posent souvent cette question, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, comment vous faites pour savoir où allez-vous placer, quand l'orage va déclencher? Alors, comme vous l'avez vu, les nuages, l'observation des nuages nous aide évidemment, mais pour être un bon chasseur d'orage aujourd'hui en France, il faut s'aider d'Internet, on n'a pas le choix. Donc, premièrement, les prévisions, on va dire, tout d'abord, les prévisions de Météo France, ou de Météo Suisse, on a ici un météorologue suisse, qui donne des tendances générales, on va dire, sur une région, sur un département, et évidemment, c'est pas très fiable. Quelquefois, Météo France, c'est arrivé rarement, mais ils ont émis des vigilances orange, et il n'y a pas eu un coup de foudre dans la soirée, vous voyez, donc c'est toujours un peu aléatoire, ces prévisions. Donc, on va essayer d'affiner ensuite les prévisions. Donc, pour ça, si on peut éteindre, s'il vous plaît. Merci. Alors. Première chose dont on se sert, on va dire, c'est Kairos. Donc c'est l'Observatoire français des tornades et des orages violents. C'est un site internet qui est fait par des spécialistes des orages. Alors ça, par exemple, vous voyez, c'est la carte du jour. Ça tombe bien, il y a eu des orages aujourd'hui. Donc il donne une tendance générale. Donc, à partir du moment où on est dans une zone B, on peut se dire qu'ils ne vont pas trop se tromper. En général, les Kairos sont des gens qui connaissent leur métier et ils font des prévisions, en général, qui s'avèrent vraies. Et puis, nous, on voit bien que la Saône-et-Loire, pour aujourd'hui, c'était totalement cuit. Hein. Et puis, dans cette région-là, il y a un risque. Bon, voilà. On a ça, on a un risque, on n'a pas de risque. À partir de là, on va essayer d'affiner. Donc on va se servir, par exemple, du site Météo Ciel. Donc là, évidemment, il va falloir avoir quelques notions, quelques connaissances en météorologie. Et on va recouper certains paramètres ensemble. Et quand tous les paramètres, on va dire, s'alignent,
On va savoir que la dégradation orageuse va avoir lieu. Alors, je ne vais pas tout vous détailler parce que c'est impossible. C'est trop compliqué. Une carte qui nous aide beaucoup, c'est la carte des précipitations, par exemple. Ah. Où on a les précipitations, par exemple, vous voyez, samedi 17h local, c'est plutôt ici. Si je vais ici, par exemple, voilà, on va voir un petit peu ce qui est prévu. Donc là, on voit qu'à 8h local demain matin, sur les Charentes, ça risque de taper dur parce qu'il y a une grosse dépression qui arrive très creuse sur l'Atlantique. Donc voilà, ça donne la tendance. Alors est-ce qu'il va pleuvoir ici demain soir? Ah, ça avance vers nous, hein, je crois qu'on va y avoir droit aussi. Hein. Vous voyez, bon, donc ça nous donne aussi une bonne tendance. Et ensuite, il y a d'autres paramètres beaucoup plus techniques, comme la cape. La cape, c'est le pouvoir, on va dire, le potentiel convectif qu'il y a dans l'atmosphère. Donc, plus cette cape est haute, plus on a la chance de voir monter des cumulus, des cumulonimbus. Voilà. Donc je ne vais pas tout détailler parce que ça c'est trop compliqué. Puis en plus, je ne suis pas forcément le mieux placé pour tout vous expliquer. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas scientifique. Il y a des gens ici qui sont beaucoup plus forts en prévision. Ensuite, une fois qu'on a la tendance, on va s'occuper de cartes comme ça qui montrent le déplacement en temps réel des nuages, en fait, tout simplement. Et cette carte, ben là, c'est la carte de cet après-midi, vous voyez, donc c'était le déplacement des nuages entre 16h45 et 17h45. Et quand on a des situations orageuses, et bien sur cette carte, on voit des espèces de boules comme ça qui apparaissent très blanches sur la carte. Alors nous, ce qui nous intéresse, comme on est ici en Saône-et-Loire, c'est surtout les boules qui se forment dans ce coin-là et qui remontent après du sud-ouest vers le nord-est. Bon, ben là aujourd'hui, on voit que nous, on était dans un système de flotte un peu... rien de sensationnel. Et ça nous aide beaucoup, ces cartes satellites, pour voir le déplacement des nuages. Voilà. Ensuite, une modélisation de ces précipitations sur des cartes avec une échelle évidemment de couleurs. Alors là, on voit évidemment, vous voyez, on voit que les précipitations ici sont beaucoup plus fortes que dans le bleu. Plus c'est rouge, plus c'est fort. Et nous, pareil, comme on est ici en Saône-et-Loire, eh bien, quand on voit remonter par ici des grosses boules comme ça sur les cartes où c'est tout rouge, ben, on essaie d'aller se placer. Si l'orage il prend cette direction-là, je vais plutôt aller me placer dans l'ouest de la Saône-et-Loire. Vous voyez, j'ai le temps de le voir arriver, il part du massif central, il remonte. Si ça part plutôt sur, ça passe plutôt sur la Loire et sur le nord du Rhône, eh bien, ça va passer ensuite sur Tournu, sur le Louannais, sur la Bresse et tout ça. Ça va remonter vers le Jura, tout ça. Donc, voilà. C'est ce qui nous permet, on va dire, on a un laps de temps de 2 heures à peu près. Ou on va prendre tout de suite la voiture et puis allez, on dit bah, tiens, ça prend cette direction-là, donc il faut qu'on aille là-bas, c'est là que ça devrait certainement se passer. Alors on a quelques points à haut évidemment, on a des points un peu stratégiques, on ne va pas tout divulguer, il faut qu'on garde un petit peu de secret. Et quelquefois on arrive dans des coins où il y a des arbres partout, on ne connaît pas le secteur, et là ça y est, l'orage est sur nous, on voit claquer partout, et en fait on ne peut rien faire parce qu'on est dans les arbres, dans un trou. Et là, très franchement, ça devient très très énervant. Hein, les jurons le fusent à ce moment-là. Et puis, pour terminer, il y a Météo Rage, qui est un service payant de Météo France. Alors malheureusement, c'est très très cher. Donc on est très très peu à pouvoir l'utiliser. C'est vraiment très très cher, trop cher, hein, entre 2 et 3 000 euros par an, l'abonnement. Où là, quand même, on a les éclairs en temps réel quasiment. En fait, on a des cartes d'impact où on voit chaque point rouge représente un éclair. Donc là, on peut vraiment voir. Heureusement, il y a des gens qui sont intelligents et qui ont repris ces cartes. Alors, où est-ce que c'est ici? Alors, est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir par contre? Ça, c'est pas bon. Non. Bon, peu importe. Donc, c'est des cartes d'impact en temps réel qui sont disponibles un peu partout, de toute façon sur Internet, sur certains sites, et qui reprennent en réalité les cartes d'impact de Météo France.
Alors bien sûr, on va avec beaucoup moins de détails et tout ça, mais ça nous permet en tout cas d'avoir à peu près la direction des éclairs, en fait, des cellules orageuses et là où se produit la foudre. Voilà. Donc, je pense, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ça serait vraiment trop long et puis c'est un peu vraiment technique. Il faut quand même, c'est quelque chose qui s'acquiert quand même avec l'expérience. Et ça fait quand même un petit bout de temps qu'on fait ça. Je vous avouerai qu'il y a encore 2 ou 3 ans, je ne comprenais strictement rien. Donc j'ai profité des périodes hivernales de calme pour me documenter et pour demander aussi conseil à ceux qui s'y connaissaient. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé en fait ces 2 dernières années pour pouvoir réussir à les placer là où il fallait. Voilà. Donc je vais laisser la parole à nouveau à Gilles, qui va vous présenter les orages qu'il a pu chasser, quelques orages qui l'ont vraiment marqué dans la région lyonnaise et dans la région Rhône-Alpes. Voilà, mais avant je vais vous présenter quand même quelques chiffres. Bon, ça va pas être bien long, hein, vous inquiétez pas, par rapport au Rhône. Alors, donc là on peut voir sur une évolution d'environ 4 ans, le nombre d'orages par mois, donc sur la région lyonnaise, uniquement la région lyonnaise. Donc on peut voir quand même 4 pics qui sont effectivement qui se rapprochent entre mai et août et septembre en gros. On peut voir l'évolution sur 4 ans. Bon, on voit qu'il n'y a pas grand chose à dire, hormis peut-être en 2009 où c'était donc un peu plus fort que la moyenne. Voilà. Voilà, donc là les évolutions par mois. Donc sur ces 4 années, où les années donc, sont représentées dans différentes couleurs, hormis peut-être effectivement cette année au mois de mai, qui était quand même plus fort que le reste des mois de ces 4 dernières années. Voilà, donc rien de bien sensible non plus à ce niveau-là. Là, donc une courbe qui permet de voir le nombre, donc, le nombre moyen annuel d'orages par année. En 2010 et 2011, on peut un petit peu moins fort que les années 2009 et 2012. Bon. Alors, voilà donc une carte qui va nous donner la densité de foudroiement. C'est-à-dire que, comme c'est écrit, donc c'est le nombre d'impacts au kilomètre carré, ça, sur une année. Alors, on peut voir qu'en Saône-et-Loire, ici, donc, on est à 2,7 impacts par an au kilomètre carré. Et le Rhône 3,3. Alors 3,3 c'est pas mal. Seulement de visu ces dernières années, la Saône-et-Loire serait plutôt repassée devant. Voilà, donc, puisque cette carte date d'un petit moment. Alors à savoir quand même qu'en 2011, on a recensé 430 000 impacts en France. Ce qui correspond malgré tout quand même à moins 14% par rapport à la moyenne des 20 dernières années. Donc l'année 2011 a été un petit peu plus faible en impact sur la France. Ouais, ça montre aussi que tout ce que vous entendez n'est pas forcément vrai, puisqu'on vous dit qu'avec le réchauffement climatique, il y a de plus en plus d'orages. Eh bien, on se rend compte qu'il y a 20 ans, ça a claqué plus en France que maintenant. Pourtant, le réchauffement climatique n'était pas autant avancé. Donc, encore une fois, c'est toujours des données qu'on vous donne comme ça dans la presse, dans les médias, qu'il faut relativiser. Et cette carte, en effet, enfin, cette donnée par Gilles nous permet de relativiser. Il y a des orages, ils sont peut-être parfois plus violents, mais en réalité, il y en a moins en ce moment qu'il y en a eu il y a 20 ou 40 ans. Bien, alors, donc, cette passion nous avait parfois rencontré quand même de superbes moments exceptionnels. Et notamment à rencontrer des nouveaux chasseurs, comme vous pouvez voir sur la flèche ici. Et heureusement pour lui que je sois arrivé ce jour-là, puisque apparemment il ne savait pas où prendre la photo, puisque le phénomène se passait derrière. Alors, les éclairs sont. Attends, reviens là. Il faut quand même relativiser, parce qu'en fait, c'est la première fois que je rencontrais Gilles, et j'ai fait une photo de lui en train de chasser. Pour mettre ensuite sur le forum, ne vous inquiétez pas, j'ai pris cette super cellule en photo. D'ailleurs, c'était, pour ceux qui habitent dans le secteur, c'est sur le parking de Boyer. Vous savez, là où il y a tous les camions, là, le routier. Là. Vous voyez, il se passe des choses quand même bizarres au-dessus de vos têtes, vous ne vous en rendez pas toujours compte. Là, on était dans le cadre d'une super cellule vraiment intense,
avec formation d'un mésocyclone en dessous, là, cette espèce de soucoupe volante en dessous, vous voyez là. Ça, il faut vous dire que c'est totalement en rotation. Et on est à la limite du système tornadique. Là. On est vraiment pas loin du développement du tornade. Alors il manquait certainement certains paramètres pour que ça se produise. Et puis on voit sur la droite là, un énorme rideau de grêle. Je veux dire que c'était de la grêle parce que quand la supercellule est arrivée sur nous, ma voiture s'en est souvenue. Voilà. Alors donc, comme on avait vu dans le film aussi tout à l'heure, est-ce que les nucléaires sont tous les mêmes? Donc non. Là, on va en aborder certains donc par les photos uniquement. Voilà, donc on a les extra-nuageux, c'est-à-dire un éclair qui va partir d'un petit peu plus haut du nuage pour aller hors du système orageux et pouvoir donc faire un impact à l'extérieur de la cellule. On retrouve ici la même chose, qui part de bien plus haut, pour finir ici. Les différentes couleurs sont dues bien souvent à la densité d'humidité qui sont aux différents étages, à la poussière également qui peut traîner dans le coin. Encore, là, cette fois-ci, un extra-nuageux dans un système, celui-ci, où là, on voit que les autres impacts sont quand même un peu plus noyés dans l'eau et dans les précipitations. Là, donc, intra-nuageux, c'est ici donc une supercellule qui sévissait sur l'Allier, si je me souviens bien. Sur l'Allier, à la limite du sud de la Saône-et-Loire, dans la région entre Allier et Charolais, on va dire. Voilà. Et ce soir-là, donc, aucun éclair n'est sorti, mais les éclairs étaient à l'intérieur, et c'est qu'on a l'impression d'un bouillonnement. Oui, très, très, très intense. Hein. Ça n'arrêtait pas, c'était... une lumière à peu près toutes les secondes, si c'est pas moi. Ouais. On a donc les spiders. Ces spiders interviennent en général en fin d'orage, c'est-à-dire ce sont ces éclairs rampants sous les nuages qui forment donc de très beaux entrelacements. Spider, pourquoi spider? Oh, parce que ça pourrait ressembler à des araignées. Ouais, spider en anglais, araignée. Donc en fait, c'est parce que ça ressemble un petit peu, ça rappelle l'idée de la toile d'araignée en fait. Donc là, des spiders qui passent dans les mammatus, ce sont ces nuages en forme de boule, donc, que vous avez pu voir dans le film tout à l'heure. On a donc aussi des éclairs positifs. Donc dans le film aussi, ça vous avait été présenté, donc comme des impacts de forte intensité avec peu ou pas de ramification. Donc ça, c'était une super cellule qu'on a eue le 21 août cette année, ouais. De cette année, où donc la cellule, super cellule même, nous a donné uniquement des éclairs positifs. Voilà, donc là, avec toujours cette même cellule avec un arcus à l'avant, qui a donné donc encore un éclair positif. On a les internuageux. Donc ces éclairs qui s'échangent entre nuages un petit peu, qui passent d'un nuage à l'autre. Et donc les impacts ensuite, donc ça ce sont les photos qui, pour ma part, le Graal. Le Graal, voilà. Reviens. Encore, ouais. Juste pour les locaux, hein, cette photo a été prise dans la plaine de l'Ève, juste après le village de l'Ève, des hauteurs de Saint-Ciel-Grand. En direction, sur la droite, les premières lumières qu'on voit là-bas au fond, c'est le début de Chalon-sur-Saône, en fait, pour vous donner une idée. Ici, c'est encore d'autres impacts, mais cette fois-ci vu depuis le Mont-Salève, donc dans les Alpes. Un soir de 2006, il y a ça. C'est bien ça, c'est 2006. Hein. Septembre 2006, le 10 septembre 2006. Ouais, ouais. Où là, on a eu un orage qui a duré eh bien 2-3 heures au même endroit et avec que des éclairs constants. Avec un ciel extrêmement chaotique. Enfin, pareil, des impacts tous les 10-15 secondes. Très, très intense. Là, de même, vue du Salève également, sur une autre partie, quelques années plus tard. Où là, on peut voir, donc, on voit quatre impacts, ou si on en devine un cinquième, ces cinq impacts-là sont tombés donc tous en même temps,
sur un seul et même coup de lumière au vu de nos yeux. Ensuite, de temps en temps, on peut arriver à avoir des éclairs directement sur la mer, des impacts sur la mer. D'ailleurs, on peut remarquer que cet impact-là est en fait un impact bifide, puisqu'il y a deux impacts sur la mer avec un seul canal qui arrive vers le sol. Donc deux impacts au même endroit. Probablement également un extra nuageux, puisqu'on voit probablement le début ici, pour finir là. Là, donc, un impact sur la région lyonnaise. Alors, ce soir-là, il y avait énormément de précipitations, énormément d'eau. D'ailleurs, on le voit sur la lentille, avec toutes ces auréoles. Mais on peut le voir également avec tous les petits points noirs, ici, qui sont de la pluie ou de la petite grêle qui fait ombre chinoise lors de la prise de vue. Même endroit, à peu près à la même heure, où là, donc, on a un impact catifide, puisqu'on a cinq impacts au sol en même temps, avec un seul canal au départ. Donc là, encore un impact probablement extra-nuageux aussi, puisqu'on voit bien qu'il est dans la zone sèche de la cellule, où on voit les précipitations plus à droite, avec un impact qui est vraiment dans la zone humide. Là, alors, cette chasse-là s'est faite le 2 juin cette année. J'avais fait 200 km au total ce soir-là. Pour tout simplement prendre ces photos à 2 km de chez moi. Voilà. Parfois, on peut aller loin pour pas faire grand-chose. Et puis finalement, la chance est avec nous. Et nous permet parfois de faire de belles prises. Alors, c'est la même soirée. Et vu que les impacts étaient à peu près toujours au même endroit, j'ai mis mon appareil en mode portrait. Ce qui permet parfois aussi de changer un petit peu le sens de vision des photos. Ici, c'est un orage qui s'était développé sur le Vercors en toute fin de journée, avec en début de soirée même, tout simplement. Donc on peut voir des zones de brume qui commençaient donc à se lever. Et après cette photo-là, il y a eu y avoir un autre impact et puis plus rien du tout derrière. Ici, alors là, c'était donc une super cellule qui s'est déclenchée entre Lyon et Villefranche, avec ce qu'on appelle le moteur qui était ici, à gauche, qui montait et qui alimentait donc tout le système qui était ici devant, et a permis donc, quand même ces deux impacts à l'avant du système. Alors ici, en bas, on a la base donc, de la cellule, avec un petit éclair qui est juste en avance de toute la zone de précipitation qui a été ce soir-là de la grêle. Là, donc, cette année, après donc le 21, c'était le 21 août, c'était le 23 août ce soir-là. Donc là, on était sur le contrefort du Revermont. Ouais, dans le Revermont, donc les contreforts du Jura qui sont juste à la fin de la plaine de la Bresse, en fait. Donc ce que vous voyez là, c'est la plaine de la Bresse. Sur votre droite, Dole. Tout au fond, si on va tout droit à l'ouest, Chalon-sur-Saône, pour vous donner une idée. Voilà, donc un impact qui tombe sur un village, pour vous dire donc, qu'on est à l'abri d'une part. Ici, donc, des impacts à l'avant d'une cellule qui était très, très pluvieuse. Donc il y a eu quelques impacts seulement. Et par chance, donc, j'ai eu celui-ci. Et donc ça, c'était l'année dernière, lors de la fête de la musique, où, grâce à la fameuse cellule de déclenchement, on peut avoir ce genre de photos plus facilement qu'à une époque, pouvant mêler le soleil couchant et les éclairs. Juste un petit truc, la cellule de déclenchement, en fait, quand on fait des pauses longues, pour pas capturer les éclairs, il faut justement allonger les pauses. Alors vous dites bien que la journée, si on allonge trop la pause, en fait, on a un écran tout blanc, il y a trop de lumière. Et donc, cette cellule nous permet de faire vraiment un réglage fin par rapport à la lumière ambiante et de pouvoir quand même capter l'éclair sans brûler la photo, si vous voulez, sans que la photo soit toute blanche. Donc là, c'était une cellule orageuse qui s'est déclenchée vers 5 h du matin. Donc,
qui a fait beaucoup de bruit, qui m'a permis de me réveiller et de me diriger pas très loin de chez moi et pouvoir avoir donc les dernières lueurs avant que le jour se lève. Ici, on voit encore le fameux ciel très chaotique. D'ailleurs, c'était lors de la même soirée qui là s'est produit dans l'Ain. On remarque encore aisément le rideau de pluie où les impacts ne sont très peu ramifiés et toujours des impacts ramifiés à l'extérieur des précipitations. Alors, autre phénomène visible, c'est-à-dire que de temps en temps, lorsqu'il y a un impact, on peut apercevoir des boules lumineuses de plus ou moins faible intensité et qui durent plus ou moins longtemps. Ce sont ce qu'on appelle des power flash. C'est lorsque un coup de foudre tombe sur une ligne haute tension, on a ce phénomène lumineux où comment ça s'appelle ? Des courts-circuits. Oui, les courts-circuits. Voilà, donc toujours avec la cellule de déclenchement et le fameux soir du 23 août. Après une super cellule, où là, on ne s'attendait pas trop à ce genre de photo. Ben, en fait, on voit là juste derrière, sur la gauche, vas-y, montre un peu derrière, voilà. En fait, on voit l'avant de l'orage, c'est-à-dire vraiment le front de rafale. Je vous montrerai d'autres photos de cet orage tout à l'heure, où vraiment c'était ultra violent, vraiment, en termes d'électricité, c'était intense. Mais finalement, comme dans toutes les supercellules, pas trop d'impact au sol. Quelques-uns, évidemment, comme on peut voir là-bas derrière. Et par contre, il commençait à pleuvoir, ce qui signe qu'on était vraiment en bordure d'orage. Et moi, évidemment, à ce moment-là, j'ai suivi mon objectif. La cellule, en un coup de lumière, en un gros flash, lâche toute sa puissance. Et j'ai lui fait la photo de sa vie. Ouais. Et moi, j'ai suivi mon objectif et je pleure. Voilà. Comme quoi, il faut bien un petit peu de chance aussi. T'es peut-être en train de faire la photo de l'autre côté. Ouais, j'y avais un village derrière. Mais ça, c'est combien de kilomètres l'ensemble? Ça, c'est. Alors, là, c'était pris à l'ultra grand angle, donc. Je dirais ça entre 5 et 10 kilomètres en largeur, là. Quoi? Bon, c'est un peu moins quand même. Moins quand même, tu penses? Ah, c'est vite, hein. On était à l'Ultra. Ouais. En fait, ça claque, c'est tombé, quoi, je veux dire, 5 km devant nous, mais peut-être moins, parce que comme c'est un ultra grand angle, ça a tendance à élargir un peu les distances. Ouais, peut-être sur 5 km de largeur. Là. Alors, il y a l'histoire de cette photo, hormis le fait que je ne l'ai pas eue, évidemment, c'est superbe impact dans le village, et si vous regardez bien, là au-dessus, en fait, il y a un extra nuageux qui est parti en même temps et qui a claqué juste derrière nous. Donc, c'est pas tellement ces impacts-là qui nous ont fait peur, c'est plutôt celui qui est passé juste au-dessus de notre tête, que vous voyez en bas à droite, et qui est venu claquer, j'en sais rien, 300 mètres derrière, sur le village, et là, je peux vous dire qu'on a serré les fesses. Oui, d'autant plus qu'on était sur un point haut. Bien, alors, donc, tout ça pour vous amener au fait que, voilà, on a des dangers qui sont liés à cette passion-là. Alors, le premier danger, c'est la route, hein, puisque, bien évidemment, quand on a fait nos prévisions, que tout est calé, on a pris le matériel, on prend la route, et en général, ça, les limitations de vitesse, voilà, on veut arriver le plus vite possible. Bon, c'est vrai qu'il vaut mieux garder les bonnes limitations de vitesse, faire très attention sur la route. Le deuxième danger, c'est la pluie. Donc, la pluie, parce que la route devient glissante, tout simplement. La pluie est très conductrice aussi. Donc, être au sec un maximum, garder sa voiture à côté de soi et le plus près possible. On a également la grêle. Donc, bon, c'est évident que si on a la voiture, c'est mieux, même si, comme l'a dit Will tout à l'heure, on peut avoir des souvenirs qui restent. Ah oui, et puis la grêle, évidemment, ici, on est dans une région viticole. Nous, quand on voit une super cellule grêligène, on est content, mais bon, s'il y a des vignerons aussi, je pense qu'ils ne vont pas pouvoir apprécier ce que je suis en train de dire. Voilà. Effectivement. Et donc le quatrième danger, la foudre, là, comme on l'a vu sur la dernière photo, c'est vrai qu'on était sur un point haut. Ça a choisi le village derrière. Ça aurait pu choisir aussi de noter. Oui, alors la foudre en France, c'est à peu près une centaine de personnes foudroyées par an. Bon. Entre 20 et 30 morts, et parmi ces centaines de personnes foudroyées, certaines
garde de très légères séquelles, des petites traces, une chaussure brûlée ou je ne sais quoi d'autre. Par contre, effectivement, le danger, mais, enfin, ça peut vraiment être mortel. Hein. Et donc, par rapport à la foudre, juste quelques recommandations. Je vois qu'il y a des enfants en plus ici. Ce qu'on fait, si vous n'y connaissez rien, ne le faites pas, en fait. Nous, on sait à peu près, enfin, c'est pas une règle absolue, mais on sait à peu près à quel moment vraiment on va se mettre en danger, on sait quand vraiment il ne faut pas dépasser les limites et aller se mettre à l'abri dans la voiture. La voiture, c'est le meilleur abri quand on est à l'extérieur, parce que ça fait cage de Faraday. Donc si l'éclair tombe sur votre carrosserie, c'est pas grave, vous ne sentirez rien, ça va passer dans la carrosserie, ça va partir par les pneus dans le sol. Dans le film de Michael Bailly tout à l'heure, il vous a bien expliqué que tout point haut peut créer une aspérité dans l'atmosphère et donc attirer plus facilement la foudre. Donc ne jamais un arbre, jamais. C'est vraiment la dernière des bêtises à faire. On est nombreux ici, les chasseurs d'orage, à avoir vu des photos où on voit un beau canal de foudre traversé à Sapin, ou Roger qui est ici, qui fait partie du laboratoire national de la foudre, lui, il recense justement pas mal d'arbres foudroyés dans le Jura, et il nous a montré des sapins qui ont littéralement explosé sous l'effet de la chaleur du coup de foudre, avec des bouts de sapin d'un mètre totalement pointus qui partent à 50 mètres, enfin c'est... Ça peut vraiment être très dangereux, au-delà même de l'électricité. Être sous un arbre, vous pouvez aussi vous faire transpercer par un bout d'arbre. Voyez. Donc c'est quand même, faut vraiment pas s'y mettre. Alors après, quelquefois, on est en montagne, il y a ici des Savoyards, là, des Genevois, ils chassent sur les hauteurs savoyardes. On est forcément point haut. Quand ils sont en haut d'une montagne, c'est eux le point le plus haut. Donc la voiture, évidemment, et si on ne peut pas, si on est en balade ou quoi que ce soit, ne courez pas. Quitte à vous prendre la pluie, c'est pas grave, ça va sécher après. Mettez-vous à plat ventre ou accroupi à côté d'un rocher, en tout cas pour ne pas faire point haut, pour essayer de trouver un point qui soit un petit peu plus haut que vous. Et ne bougez plus, laissez passer l'orage. C'est ce qu'on a fait le 23 août, hein, puisqu'on n'avait pas de... On le savait, on ne devait pas le dire, mais on est allé au carton ce jour-là, parce qu'on savait que là où on allait aller, il n'y avait aucun... la voiture était à 500 mètres, donc impossible de se replier rapidement. Et juste la Vierge. Et vous verrez la photo, il y a la Vierge qui nous a protégés, le socle de la Vierge. En fait, on s'est caché derrière le socle de la Vierge, avec chacun un parapluie, comme ça, pour faire une espèce d'abri de fortune. Et il nous a rien arrivé, là, il nous a protégés. Voilà. Merci. Merci la Vierge. C'est tout bon pour toi ? Eh bien, on va dire que c'est la fin de la première partie. On va vous permettre d'aller fumer une petite cigarette si vous voulez, vous dégourdir un peu les jambes. Et puis après, je vous présenterai quelques chasses en Saône-et-Loire avec des photos. Il y en a qui étaient déjà là l'année dernière quand j'ai fait des présentations. Je vous présenterai aussi des photos des chasses de 2012. Et je vous dirai aussi. On se posera la question, est-ce que la Saône-et-Loire est réellement une terre d'orage ? Merci à vous. Donc on va dire il est 48, on reprend à 10h. Donc vous pouvez aller faire une petite cigarette, regarder les photos, poser un petit peu si vous voulez. Merci à vous, à tout de suite.